L'ex-chef de l'exécutif de Hong Kong, Leung Chun-ying, a exhorté le syndicat des enseignants professionnels de Hong Kong à demander aux manifestants de cesser leur acte. Leung a aussi condamné une déclaration de ce même syndicat. Il a déclaré que la police de Hong Kong avait fait preuve de retenue et a dénoncé la déclaration du syndicat comme un encouragement des manifestants à utiliser des armes contre la police. Au cours de la semaine écoulée de troubles à Hong Kong, on a assisté à un renforcement de l'arsenal des manifestants. Ils ne se contentent plus de jeter des briques, mais utilisent à présent des catapultes, des bombes à essence, des arcs et des cocktails Molotov. Un homme de 70 ans est mort jeudi après avoir reçu une brique jetée par un manifestant près de la station de métro Cheung Shui.